Mesdames, Messieurs, bonjour. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette édition. Voici les titres de ce journal. Le ministre de la Santé a réceptionné ce lundi plusieurs doses de vaccin COVAX, un don des États-Unis à travers son ambassade au Bénin. Lancement ce week-end de la finale nationale du championnat scolaire du Bénin 2020-2021, une cérémonie présidée par le ministre des Sports. Et puis, les avocats du Bénin renforcent leurs capacités. Ils sont en formation depuis ce lundi. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre de la Santé a réceptionné ce lundi à l'aéroport de Cotonou eh bien, 302 400 doses de vaccins contre la COVID-19. C'est un don des États-Unis à travers son ambassade à Cotonou. Ce geste est soutenu par l'initiative COVAX. Clémence Tonoukouin et Denis Maruya pour le compte rendu. Ce lot de vaccins offert par les États-Unis s'inscrit dans le cadre des efforts globaux pour combattre la pandémie de la COVID-19. Il permettra de protéger le peuple béninois des ravages du virus et de commencer à réduire les obstacles à la reconstruction de l'économie béninoise. Le ministre de la Santé, Benjamin Hongbati, a témoigné toute sa gratitude aux donateurs. Ce don de votre pays vient à point nommé, car il permettra au Bénin de donner un véritable coup d'arrêt à la nouvelle vague qui s'annonce. Je vous prie de transmettre les remerciements de tout le peuple béninois et de son gouvernement au peuple fédéral des États-Unis. Je ferai prendre toutes les dispositions techniques nécessaires pour qu'avant la fin de cette semaine, le vaccin soit disponible sur tous les sites dans toutes les communes du Bénin. Fier de soutenir les efforts du Bénin pour combattre la maladie, l'ambassadeur des États-Unis au Bénin, Patricia Mahoney, a réitéré l'engagement des États-Unis à œuvrer en faveur d'un avenir plus sain et plus prospère pour le Bénin et son peuple. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour construire un monde plus sûr et plus sécurisé et plus contre la menace des maladies infectieuses. Selon le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique, à peine 2% de la population africaine ont effectivement reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19. Raison pour laquelle l'organisation, par la voix de son représentant résident, Mamoudou Haruna Diengaré, se réjouit particulièrement de ce don. Désormais, nous avons un grand espoir que grâce à cette aide du gouvernement et du peuple américain, le Bénin est en bonne voie pour atteindre son objectif d'immuniser 40% de sa population contre le virus de la COVID d'ici la fin de décembre 2021. Le vaccin Janssen contre la COVID-19, qui présente l'avantage d'être à dose unique, a été autorisé le 27 février 2021 aux États-Unis par la Food and Drug Administration pour une utilisation chez l'adulte, puis approuvé par le protocole d'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS en mars 2021 pour un déploiement à travers le mécanisme COVAX de par son efficacité contre l'infection par le coronavirus et surtout contre les formes graves de la maladie. Avec ce vaccin, la population béninoise dispose désormais d'un choix diversifié des vaccins afin de se protéger contre la pandémie de la COVID-19. Les avocats du Bénin sont en formation depuis ce lundi à la cour d'appel de Cotonou. C'est le ministre de la Justice qui a lancé officiellement les travaux. Suivez le compte rendu de Samson Oké et Jean-Baptiste Boko. Les avocats du Bénin en formation continue. Une initiative du Centre international de formation des avocats en Afrique francophone, CIFAF. Selon le professeur Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, invité pour la cérémonie d'ouverture, les avocats sont des contributeurs à la vérité. Ne contribue pas à la vérité qui n'est pas cultivée. Ne contribue pas à la vérité qui n'est pas formée. Ne contribue pas à la vérité qui n'est pas humble. Ne contribue pas à la vérité qui est indifférente. Et c'est pour cela que cette formation trouve sa place. Parce que c'est une manière de s'approprier de l'outil qui
qui permet, c'est avec difficulté, de contribuer à la vérité. Au cours de cet atelier de formation, plusieurs thématiques seront abordées par d'éminents professeurs et communicateurs venus d'Europe et d'Afrique. C'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qui a procédé au lancement officiel des travaux. Les temps changent et changent si vite, à telle enseigne, que force est de concéder que la pratique de l'avocat doit évoluer face à une clientèle plus exigeante dans un contexte où le droit devient un bien de consommation comme tout autre soumis au diktat des lois du marché. Ne vous y méprenez pas, il faut vous armer de science jusqu'aux dents pour pouvoir espérer affronter victorieusement les défis présents et futurs de l'avocat du 21e siècle. Le CIFAF, ici, vous en donne les moyens. Monsieur le bâtonnier, chers invités, monsieur le directeur, d'ores et déjà, je souhaite plein de succès à cette session. Longue vie au CIFAF. Démarré ce 26 juillet, cet atelier de formation prend fin le 30 juillet 2021. L'information est rendue publique depuis quelques jours. Madame Sylvie de Chacus, désignée à la tête du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, n'est plus à la tête du parti. La décision a été prise à l'issue d'une réunion de la direction du parti. Le chargé de communication du parti explique ici les motifs de cette décision. Il est au micro de Clémence Tonoukouin et Romaric Devauchy. Le 19 juin 2021, Mme Sylvie Deschacus a été donc présentée à la face du monde comme la nouvelle présidente de l'UDBN. Lorsque vous avez été présentée comme ça au bout d'une séance ou d'une rencontre, d'une assise statutaire comme le congrès donc, qui a commencé depuis le 5, vous prenez fonction dans l'opérationnel. Il y a donc des rencontres que vous faites, des prises de contact, vous rentrez dans les dossiers et puis la machine prend. Et dans le cas d'un parti politique, c'est encore plus délicat. La présidente d'honneur a pris toutes les dispositions dans ce sens, s'est entendue donc avec la nouvelle présidente, on dira le Haut Conseil parce qu'il y a la présidente d'honneur, mais il y a le vice-président d'honneur. Et convenir donc avec la nouvelle présidente que... Après son retour de quelques soins, parce que la présidente d'honneur avait quelques ennuis de santé, elle voulait se soigner, quelques jours, qu'il y aurait des rencontres de prise de contact avec les instances dirigeantes, les différentes structures, et même une tournée conjointe, d'accord, à travers les coordinations, pour que la présidente d'honneur, qui a été si charismatique sur la vie du parti pendant longtemps, puisse la présenter et que le chemin lui soit complètement balisé. Mais pendant que la présidente d'honneur était donc pour les 16 soins hors du pays, sans en informer le vice-président d'honneur, sans en informer les autres instances du parti, à savoir les vice-présidents. Il y a eu des contacts qui ont été pris avec les coordonnateurs départementaux, communaux, voire d'arrondissement, sur le dos des instances du parti. Avant ça même, c'est une réunion de prise de contact qui a été initiée par la nouvelle présidente. On y est allé. Mais arrivé là, on découvre qu'il y a des intrus, des gens qui ne sont même pas du parti, qui étaient là avec nous. Et les sujets qui ont été abordés le jour-là n'étaient pas les sujets qui sont abordés dans une séance de prise de contact. Et il y avait cette tendance à remettre tout en cause, Bon, après cette séance, on se disait que ça allait se calmer le temps que la présidente d'honneur revienne. Mais il y a eu donc des actions. Alors, nous avons demandé à ce que cette marche forcée soit arrêtée. Surtout que cette marche viole les tests, cette marche viole l'entente qu'il y a eu au sommet du parti, avant que la présidente d'honneur n'aille se soigner, ça viole également le principe de bonne collaboration entre les instances. Et ça n'a pas été le cas, nous n'avons pas été entendus, il y a le forcing qui était toujours là, on s'est dit, mais il n'y avait aucun problème. Donc ce forcing, il fallait l'arrêter pour mieux comprendre. Éducation à présent, les nouveaux bacheliers devront choisir dans les tout prochains jours une filière pour la poursuite de leurs études. Une étape décisive puisqu'elle détermine leur avenir. Pour ne pas faire un mauvais choix, Badabé Kouelo, écrivain, spécialiste des questions éducatives, nous parle des erreurs à éviter. Il est au micro de Clémence Tonoukouin et Romaric Devauchy. Que
quand vous prenez un contexte comme ça, comme le Bénin, un contexte, l'actuel contexte, où vous avez minimum 8 jeunes sur 10 diplômés à la maison, ou quand vous venez par exemple à l'Université nationale d'Abomey-Calavi, vous avez minimum 60 000 étudiants dans les amphithéâtres, dans les jardins. Le nouveau bachelier de 2021 doit s'orienter comment? Première chose, n'allez pas à l'université dans l'optique de trouver un emploi, parce que vous n'aurez pas. Il n'y a pas d'emploi aujourd'hui à donner à quelqu'un. Allez à l'université dans l'optique de répondre à un besoin de la société. C'est ça s'orienter. Aujourd'hui, le Bénin a quel problème? Toi, nouveau bachelier qui m'écoute, qui me voit, tu veux à dire, véritablement aller dans cette filière. Première question, est-ce que tu as une finalité claire? N'allez pas aujourd'hui à l'université parce qu'il faut aller. Première erreur ne pas faire. Deuxième erreur, n'allez pas à l'université parce que papa a dit qu'il faut aller à l'université. Je suis médecin, l'enfant doit forcément faire la médecine, je suis désolé. Le choix se discute avec l'enfant. N'allez pas à l'université parce que mon copain veut partir, parce que ma copine veut partir, parce que mon meilleur ami veut choisir. Tu n'es pas ton meilleur ami, tu n'es pas ta copine. Le choix que vous allez faire à l'instant où vous m'écoutez actuellement, c'est un choix qui va déterminer ou qui détermine déjà votre avenir dans 3 ans. N'allez jamais à l'université ou surtout dans une université privée parce qu'ils ont les immeubles, hein, plusieurs étages, beaucoup de carreaux ou je ne sais quoi. On ne choisit pas par le suivisme, voilà. Le suivisme, l'autre affaire je vais faire. Tu n'es pas l'autre. Le choix d'une formation, c'est des questions stratégiques parce que votre avenir en dépend. Si vous êtes parent, il faut d'abord vous poser la question. Pourquoi mon enfant veut aller à l'université? Est-ce qu'il veut aller parce qu'il faut aller? Si la réponse c'est dit c'est oui, non, il ne doit pas aller. Est-ce qu'il veut aller parce que l'autre, voilà, c'est-à-dire l'autre a envoyé son enfant? Sinon, bon, tous ses collègues, tous ses amis veulent aller à l'université. Si mon enfant ne va pas à l'université, ça ne marche pas, ça ne veut rien dire. En sport, lancement officiel ce week-end du tournoi Petit Poteau Interquartier Land of Hope, une compétition qui se déroule sur le terrain du CEG 2 Zoka dans la commune d'Abomey-Calavi, organisée par l'agence événementielle Jeune Business sous la coupole de Pierre Akpaki, secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le match d'ouverture a opposé ce dimanche Rocher FC à Speed FC. On fait le point avec Frédéric Espoir Mambou et Romaric Devouchy. C'est à travers ce coup de sifflet que la première édition du tournoi Land of Hope est officiellement lancée. Un tournoi qui réunit 9 équipes de petits poteaux autour du cuiron, vecteur de développement selon le parrain de l'événement. Le sport en général et le football en particulier est un puissant facteur d'intégration. Il est un moyen aussi puissant de développement local. Et comme c'est un tournoi et qui voit compétir les footballeurs de mon quartier, des 9 quartiers ici de Calavi, et étant ici à Calavi, je contribue à cette organisation et c'est ça qui m'a motivé pour dire, bon, on veut voir susciter aussi dans notre quartier, dans nos quartiers, des joueurs de talent qui pourront peut-être, pourquoi pas, faire partie de l'équipe communale. Pour la promotrice de l'événement, il s'agit entre autres de réunir la jeunesse d'Abomey-Calavi autour des Jeux Saints en ces périodes de vacances, en créant l'émulation au sein des sportifs de la commune. L'objectif d'une telle organisation est non seulement de promouvoir les valeurs sportives dont dispose la commune d'Abomey-Calavi, mais également d'offrir un creuset aux différentes équipes pour leur permettre de s'affirmer et ainsi faire leur propre promotion. Mais également, avant tout, Jeune Business est une agence événementielle qui est d'une part spécialisée dans les événements pour particuliers, petites, moyennes et grandes entreprises, mais également spécialisée dans les événements grand public. Donc quand on parle de grand public, nous avons les activités sportives, dont le football. Alors ça a été une évidence. Après le 0-0 observé au cours de la première période, l'équipe de Rocher FC a réussi à ouvrir la marque dès les premières minutes de la seconde partie, mais c'est sans compter avec la ténacité et l'envie des joueurs de Speed FC qui vont recoller au score. Les entraîneurs des deux formations donnent ici leurs impressions au terme des 70 minutes. On a été cueillis à froid à la reprise de la deuxième partie, pas un but, mais je crois que mes poulains, ils ont essayé, ils ont eu la tête forte, ils ont pu égaliser. Je crois que c'est de bon augure et je crois que c'est très bon. Il y a eu une erreur défensive que nous ne devons pas commettre.
Mais on promet que la prochaine fois, on va y corriger, se rattraper, faire de notre mieux. Les prochaines rencontres sont prévues pour le 31 juillet, toujours sur le terrain du CEG2 Zouka d'Abomey-Calavi. Le ministre des Sports a lancé le week-end écoulé à Grand Popo la finale nationale du championnat scolaire du Bénin 2020-2021. C'était en présence des représentants de la FIFA, partenaire de l'événement. Jonas Bouti pour le compte rendu. C'est le stade flambant neuf de Grand Popo qui a accueilli les compétitions marquant la phase finale du championnat national scolaire initié par le gouvernement béninois de commun accord avec la CAF et la FIFA. Pour la FIFA, notre vision, c'est de rendre le football véritablement global. Et pour ce faire, nous avons une mission qui est d'essayer de remporter une victoire, la victoire du développement du football pour tous et partout. Et c'est pour ça que symboliquement aujourd'hui, le fait d'être à Grand Popo est important dans ce nouvel équipement flambant neuf, souhaité par le président du Bénin. C'est un événement important pour le football africain, je dirais même mondial. Parce que grâce à la volonté de deux personnes, le président Gianni Infantino de la FIFA et son Excellence M. Patrice Talon, qui ont signé une convention en janvier 2020 pour concrétiser cet événement. La présence des représentants de la CAF et de la FIFA au démarrage de cette phase finale témoigne de leur attachement à ce projet de renaissance du football béninois, selon le ministre des Sports, Oswald Homeki. Je voudrais ici rappeler que la présente compétition est le fruit de la volonté commune du président Patrice Talon, président de la République du Bénin, et du président Gianni Infantino, président de la FIFA, qui ont bien voulu conduire le Bénin et la FIFA dans la signature de cette convention désormais historique. Cette compétition que nous lançons aujourd'hui est le début d'une belle aventure qui, à coup sûr, donnera naissance à des talents dans notre pays. 12 équipes masculines et 12 autres féminines s'affronteront lors de cette phase finale. Et au nom des arbitres et des joueurs, Urbain Hounouvi et Parfaite Lucrèce Kenyidé ont promis se conformer aux règles du jeu. Nous jurons solennellement de faire respecter les lois et règles de jeu en tout professionnalisme. Joueurs et joueuses, prenons l'engagement de respecter les décisions des arbitres dans un esprit de fair play. L'actualité sur le continent à présent, Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se rencontrent ce mardi, 10 ans après le face-à-face lors de la présidentielle de 2010 qui avait débouché sur une grave crise post-électorale. Les deux hommes se retrouvent aujourd'hui à Abidjan. Ils ont déjà eu un contact téléphonique en début du mois de juillet. Parlement suspendu, ministre Libonchier, la Tunisie s'avance. Eh bien, dans la crise politique hier soir, le chef de l'État a limogé deux autres ministres, dont celui de la Défense. Un nouveau rebondissement qui intervient à l'issue d'une journée marquée par des affrontements devant le Parlement entre les partisans du président et des opposants du président. Dora, on attendait une réaction internationale après cette annonce surprise du président de la République de limoger son premier ministre et de geler les travaux parlementaires. Les réactions viennent de tous les pays. Les États-Unis ont indiqué qu'ils étaient inquiets et qu'ils surveillaient la situation de très près. De même pour la France ou encore pour l'Allemagne. Les Nations Unies surveillent de très près la situation, mais ont décidé de ne pas donner leur position ni leur avis, alors que d'autres pays, en Algérie notamment, où la formation politique proche du parti islamiste Ennahda, le MSP, parle lui d'un coup d'État. Et pour faire écho à ce que Ennahda avait déclaré, en déclarant que c'était un coup d'État du président de la République, un coup d'État anticonstitutionnel, je vous propose à cet effet d'écouter quelques réactions internationales. Nous sommes préoccupés par les développements en Tunisie qui surviennent alors que les autorités tunisiennes cherchent à stabiliser leur économie, à faire face à une résurgence de la pandémie de Covid-19 et à améliorer le niveau de vie de tous les Tunisiens. Nous sommes en contact à un haut niveau de la Maison Blanche et du département d'État avec les dirigeants tunisiens pour en savoir plus sur la situation, appeler au calme et soutenir les efforts tunisiens pour avancer dans le respect des principes démocratiques. La France souhaite le retour dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal des institutions. Elle appelle également l'ensemble des forces politiques du pays à éviter toute forme de violence
et à préserver les acquis démocratiques du pays. Ce qui se passe en Tunisie est un coup d'État contre la constitution tunisienne et contre la volonté populaire de nos frères tunisiens. Nous appelons le pouvoir algérien à soutenir les institutions légitimes en Tunisie. Les Tunisiens sont toujours dans l'attente après cet événement historique. Beaucoup ont parlé d'une deuxième révolution comme celle que les Tunisiens ont pu connaître il y a 10 ans. Hier, un rassemblement a eu lieu devant le Parlement, un rassemblement à l'appel du parti Ennahda où les députés ont essayé d'accéder au Parlement. Mais instruction de la part de Carthage et les militaires étaient là pour protéger le site. Aucun député n'aura accès au Parlement. Il y avait eu des affrontements entre pro-Ennahda et anti-Ennahda. Il y a beaucoup de réactions à ce sujet. Je vous propose d'en écouter certaines qu'on a pu recueillir hier devant le Parlement. Hier, le président, lorsqu'il s'est exprimé, il nous a rendu notre pays. Il nous a rendu la Tunisie. Il ne me l'a pas rendu à moi, il l'a rendu à mes enfants. Il l'a rendu à cette jeunesse qu'on a laissé tomber. C'est la vérité, c'est ça qu'il nous a donné. Depuis 10 ans, Ennahda nous a gouvernés, rien ne s'est passé. Le pays continue à sombrer, à chuter. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne convient pas du tout et nous sommes venus pour chasser Ennahda. Nous, au sein du mouvement Ennahda, nous attendons l'avis de l'ensemble des magistrats, des syndicats de magistrats, ainsi que l'avis des doyens des magistrats du pays. Ce jour symbolise la division entre le vrai et le faux, entre la légalité et l'illégalité. Nous, aujourd'hui, moi, en tant que personne, je me soulève pour soutenir tous ceux qui se soulèvent pour la vérité. Je soutiens la légalité, la loi, la constitution, le parlement élu par le peuple. Ce parlement qui doit être respecté. De son côté, le président de la République tunisienne, Kais Saied, continue sa feuille de route. Il a annoncé hier, lors d'une réunion qui s'est tenue à Carthage hier soir, qu'il n'était pas putschiste et que sa décision respectait la constitution tunisienne. De nouvelles mesures ont été prises, notamment le gel de certains services publics, à savoir l'administration centrale ou encore les services extérieurs, un gel de 2 jours. Le couvre-feu lui a été modifié, passant de 6h à 20h à 5h à 19h. L'élimogage continue. Le président de la République, après avoir limogé son Premier ministre, a limogé hier le ministre de la Défense. On a appris que le ministre des Affaires étrangères a eu une longue conversation avec le président Kais Saied. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit pendant cette conversation, mais on peut penser que le ministre des Affaires étrangères a apporté son soutien au président de la République. La haute autorité magistrale ici en Tunisie est toujours en discussion concernant cette décision du président de la République. Certains hommes d'affaires et certains politiciens, notamment des députés du parti islamiste Ennahda, eux, sont interdits de voyager. Et puis toutes ces décisions ont été mises au journal officiel par le président de la République. Les Tunisiens attendent toujours pour cette nouvelle journée de nouvelles décisions quant à ce parcours décidé par le président de la République. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.